Ah, je peux pas. Il va falloir que je baisse dans les réglages. On a compris la même chose. Oh, ouais, on a compris la même chose. Quoi ? Allez, tu. Non, non. Il faut que tu baisses dans les réglages. Bah, tu fais ce que tu veux avec lui dans les réglages, mais. Tant que tu nous invites pas. Non, je le baisse. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, on est toujours sur iRacing dans notre aventure et on passe à un autre niveau. Salut avec la Belgique. Les Cadillacs, ils ont salut la Belgique. Bonne course à vous les gars. Ça... Non. Attends, va salut, aller. Merci, bonne course à toi. Ah, évidemment, il y a des francophones. Merci, merci pareil à toi, mec. T'as besoin de toi. Ah bah c'est génial. Ah bah... Eh bien voilà, nous sommes... entre de la Belgique ici, nous sommes prêts à rouler, hein, évidemment. C'est un français, Olivier de Bauche. Ben oui, ben nous sommes français, mon cher Emeric, et nous sommes tous les deux en vocal, donc pour la vidéo, on est à deux, en fait. C'est génial. Bah du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir le... Allez, la nationalité. Sacré délire. Alors on est sur le circuit de Summit Point, toujours aux États-Unis, dans notre série... j'aime les États-Unis, Make iRacing Great Again, hein, évidemment. On est aussi en vocal avec Andy, qu'on risque d'entendre un petit peu saler la conversation, puisque lui est également sur la même course, mais dans une autre division. Je suis reclassé surtout. Hein. Je suis mieux classé, ouais. C'est une course classée. Alors oui, c'est une course classée, et c'est la fin des essais libres, donc ça aurait été très très prenant, hein, évidemment. On aura fait un tour, mais elle est considérée comme quoi une game alors, du coup. C'est une catégorie à part, apparemment. Allez, on tire le limiteur. Et on s'élance pour notre tour de sortie. Et tour de qualif en même temps. C'est la première fois que je roule avec cette voiture sur ce circuit, surtout. Alors, ce midpoint, je le connais pas du tout. Donc, on va découvrir ça ensemble. Drapeau vert. Ok, here comes your first time lap. Et voilà, c'est ici que se débute le tour. Et c'est parti. Pas très tendre avec la boîte, voiture avec un moteur très souple, hein, quoi qu'il arrive. C'est du V8 américain. Ah, la boîte est dure, des fois elle passe pas les rapports, c'est un peu... Ouais, en rétrogradage, hein, elle est un peu méchante. Allez, allez. Ici c'est une épingle. Très compliqué, pas mal de sous-virages et pas mal de possibilités d'accrochage et de dépassement. On a vu pendant les essais libres qu'on pouvait plonger à l'intérieur. En 3, ici un virage très technique. On a vu pas mal de gens se planter. Moi tout à l'heure d'ailleurs aussi. On redescend en 3. Et on complète le premier tour. Oui. One more lap. Et on est en 1:11.859. On va voir si on peut améliorer. Je suis P3 pour l'instant. Ah, je semble-t-il, je suis P4. Combien ? Ah, P5, enfin P4. On est en train d'améliorer encore un petit peu. Comment ? Je suis sorti ! Attention à cette épingle que j'évoquais tout à l'heure et son vibreur très très méchant. On doit rester en mi-régime en deuxième ici. Là on tape la troisième pour éviter le patinage. Allez, on met 4 dixièmes de mieux, c'est pas mal. Attention, le survirage, c'est terminé. C'est terminé. Ah, dans le dernier virage, petit coup de raquette de la voiture, on a pu la sauver, mais le tour il est fini. Ah bah écoutez, on sera sixième pour le moment. On va voir s'il y a des gens qui améliorent. C'est dommage, j'étais en train d'améliorer. Le bruit du pit limiter est très bien fait aussi, hein, pour l'avoir entendu à Spa, le pa 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 pa, l'échappement. Il y a trois tours, non, il n'y a que deux tours. En fait, t'as un tour de lancement et t'es deux tours.
Voilà, j'ai raté mon tout premier tour, donc je suis dans ce qu'on appelle la mauvaise zone. C'est-à-dire qu'il va falloir que... Enfin, je suis en train de faire un deuxième tour de sécurité. Et un tour qui est souvent relativement mauvais. Bah, c'est pas simple, hein, cette voiture. C'est dommage parce qu'on était bien, on avait 2 dixièmes d'avance, on aurait peut-être pu aller chercher mieux, mais... La petite faute à la réaccélération, pourtant on était en 3 très souple, mais on a été rapidement piégé. Bon, écoute, on va voir ce que ça donne en... J'ai sorti mes gants aussi, du coup. Parce que je me dis 25 minutes sans les gants, on va morfler un petit peu. Il y a des appels de phare derrière, hein. Tu les as pas chez moi? Non. Non, c'est ce qu'ils ont mis le pit limiter. Il y a de mes pit... Ouais, voilà. Même pense à vous, les gars. Ah, bah, attends, on va lui répondre. Good luck, everyone. Ah bah, j'ai pas réussi. Good luck, bonne chance. Ouais, bonne chance, les gars. Good luck, everybody. Oh. On dirait moi qui parle anglais. Tantôt au premier virage, hein. Ouais, ça va, on sait, on arrive. Ah, ouais. Gérard. Ça n'est pas notre première course, Olivier. Je vous donne une toute petite info très rapidement, avant que ça parte. Apparemment, c'est acté, McLaren quitterait Honda pour retourner chez Mercedes. Voilà. Okay. Ah, ceci étant dit, on peut rouler. Et Olivier, si tu veux revoir ta course, rendez-vous sur la chaîne YouTube Maxou le pilote, pour info. Ah, oh, le mec qui fait ça. Salut Maxou, y a pas de problème, je suis abonné à ta chaîne, va voir. Ah, ah c'est génial. Par contre, bon, tu récupéreras pas d'abonnés en plus, c'est ça? Je suis pas du tout d'accord avec toi au niveau du test de dirt. Moi, je le trouve merdique, le jeu. Mais bon, c'est mon opinion personnelle, hein. Bon, on va laisser les autres se concentrer. Et... Ouais, pas de problème, t'as le droit. Encore heureux d'ailleurs. La vidéo que t'as fait sur sur le Spad est excellente. Hein. Merci. Bah, c'est génial d'avoir des abonnés comme ça. C'est ouf. Ah bah écoute. Genre réalité virtuelle là ou normale? Non, j'ai pas le budget pour un casque VR. T'as vu l'annonce? T'as vu l'annonce de Forza 7 là? Yep. Yep, ça promet. C'est le départ, hein. Mets des vidéos. C'est le départ. Mets des vidéos là-dessus, ça sera pas mal. On va essayer. Bonne course à toi. Bonne course. Bonne course. Bye, bye, bonne course. Là, on doit vénérer si tous les si mecs. Si tu veux me mettre sur ta liste d'amis de e-racing, n'hésite pas. Hein. Envoie-moi un petit mail. C'est génial. T'as mon nom, ajoute-moi, sans problème. Ok, ah bah alors, avec plaisir alors. Ça fait super plaisir quand tu tombes sur des mecs comme ça. Ouais, mais j'ai une pensée pour tous ceux qui n'en ont absolument rien à faire. Alors j'ai un problème parce que j'ai 2 Falcons, j'en ai une devant et une derrière. Ah. Oh là là, y'a un mec qui est très chaud. Alors fais gaffe que je descends en première des fois pour... Pour avoir la relance. Ah mais c'est un cours de formation, pourquoi tu me touches là, bordel? Ah mais t'énerve pas Olivier. Oui non. Parce que c'est j'aime ça qui m'énerve dans le jeu, 4 points. Alors faut voir où il est Olivier du coup. Il était loin derrière, il était 12. Olivier. Tu vas me niquer la batterie. Le pauvre il a dû tellement en voir avec ça. Je ralentis exprès. Ouais vas-y t'inquiète moi je suis derrière, j'ai de la marge. Parce que les freins ils sont pas chauds du tout. Il y a une voiture pour Zoltan là-bas. Avec, j'ai fait un off-track. Un off-track pendant le tour de chauffe. Abonnez-vous. Pour plus de conneries du genre. Ouais, bah l'autre il me dit accroche la voiture 4. Ah, on l'a tous entendu, Emric. Ah, mais je suis désolé. T'inquiète. Sur le DS ça va, mais sur le Discord non. Ils me font peur quand ils ralentissent comme ça. T'as mis ton petit limiteur, hein? Je sais. Ah, ok. Je me montre. Allez, bonne chance, les gars. Ouais, pareil. Going green. Mais des gens. The pace carries in. On est à l'extérieur pour le premier, ça va être compliqué. Oh, il est chaud, lui. Il m'a pas. Si, c'est bon. Green. Ça va derrière, t'es tranquille, y'a rien. Ouais, j'ai vu. Car right, clear.
Yes. The car on your left. À la relance, stay on the right. Clear. Car on your left. Clear on the left. Fais attention parce que le garçon n'est pas à son affaire forcément. Non. Mais il défend bien. À la relance, tu peux le choper, j'ai dit. Il a du mal à relancer à chaque fois. Faire l'idiot, je vais suivre les trois parce qu'ils sont très très forts et bons. Je vais pas tenter de diable. Je perds un temps de ouf. Ouais, je vois ça, hein. Tu y gênes. Ça fait des erreurs par perso devant moi. Oh là. Ah bon, venez quand même. Non, je suis sorti parce que j'étais pas sur ma trage, ça me saoule. Clear. Replonge-toi dedans, il y a 25 minutes. Il y a moyen. Left side. Keep to the right. Clear on the left. Je dirai quelque chose après. Ah, l'autre par contre il est parti le chercher là. Ah, il est passé. Ça va plus du tout.
Oh, il sera T2. Les deux premiers. Retour derrière la chèvre. Ah moi je tente pas le diable, je les suis, j'attends les erreurs. Si on le vachement, vachement bien. Pas des fois je passe la 3 et elle descend pas. Je crois que j'ai pété la 3 parce que je peux plus descendre en 3. Ça va dans l'herbe pour le gars devant moi, il est toujours très à la limite, il va se faire piéger j'espère. Je parle pas beaucoup, mais dites-vous qu'on est concentré. Le 2 et 3, ils se bagarrent, mais c'est pas bon. Parce qu'à mon avis, il y en a un qui va se... Ah là, ça se touche déjà. C'est pour expliquer, le 3ème était 2ème, donc il veut récupérer sa place. L'extérieur magnifique, il lui a fait un extérieur au bout de la ligne droite. Chaque tour, il me balance sa poudre de perlimpinpin aux yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Les pneus s'usent, on commence à le sentir. Ah ouais, à la seconde où tu le dis, ouais. Il y a à peu près 12 tours sur les 25 minutes. Là, ouais, une... allez, tout seul comme un grand. Pas moi, le gars devant moi. Ah, bien. Des réactions d'Emrikawa. Ah, bien. Ouais, on est une équipe, hein. On gagne ensemble, on perd ensemble. Comme les bleus. J'avais pas spécialement ça en tête, mais... J'avais Makelele en tête. C'était pour pas le dire et pas devoir à biper, mais c'est pas grave. Ah, aïe, 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 terrible. Bah, les bips. Devant, il se déconcentre. Je
Oui, oui, il la perd, non, il la rattrape. Oh, GG. Soit il a plus de pneus, ou il est déconcentré, ou je sais pas ce qu'il a, mais... Il m'a vu de très près, le garçon. Va se planter. J'avoue que pour l'instant c'est un petit peu un no man's land, mais ça va. Alors je me bagarre pour la troisième place. Je suis en grosse difficulté dans le troisième secteur, c'est terrible. Je le connais pas assez en fait. En résumé, je perds une seconde quasiment au tour par rapport aux 5 premiers, c'est énorme. Allez! Un peu de zigzag sur la piste, ça c'est pas cool. Si jamais une vitesse passe pas, un petit coup d'embrayage, elle passe. Ouais, je sais bien, mais... J'ai pas le temps d'embrayer. Emeric qui va nous faire une Gilles Villeneuve. Il va souder la boîte avant la fin de la course. Non, je vais pas tenter le diable. Pauvre diable. Ah non, c'est... Ouh, le deuxième qui sort. À mon avis, il y a encore deux tours et ça, pas plus. Ah, il est temps, est-ce que mes pneus sont en train de me faire bye 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 bye. Ouais, moi je le sens. C'est clairement... Ah putain, j'ai failli plonger comme je l'ai fait tout à l'heure. L'immersion elle est ouf. C'est ouf hein. Là je suis désolé, je parle pas beaucoup. Tu parles déjà toujours plus que moi. Moi je peux pas parce que là j'ai une voiture qui est très délicate. Donc je garde mon rythme.
On est sixième, c'est vrai qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas grand monde, mais je vous avoue que là, ceux qui ont déjà joué au jeu voient à quel point je galère avec la voiture pour la tenir, tout simplement pour ne pas faire la manœuvre de trop qui me mettrait dedans. Moi c'est simple, il n'y a pas d'écart avec le premier pour te faire un dessin. On est cul à cul. Enfin, avec le troisième, pardon. Allez. Ah bah Olivier, juste derrière. J'allais dire... Il soit à 12 secondes, si tu dis qu'il reste 2 tours, je vais pas rouler comme un fou. Attends, hein, parce que moi j'ai pas encore eu de drapeau blanc, donc continue. Non, non. De toute façon, tant que tu l'as pas eu, nous on l'aura pas, on est derrière, donc t'inquiète pas. C'est pas au chrono, donc c'est tant que le leader n'est pas rentré dedans, il n'y a pas de dernier tour. Ah, je suis plus rapide que lui dans le premier secteur. On va s'énerver. Ça reviendra. J'ai l'impression d'avoir une deuxième jeunesse dans mes gommes. Je prends un rythme un peu plus soutenu, ou alors c'est juste une impression. Je peux un peu plus attaquer, je suis moins en délicatesse dans les enchaînements. Je suis juste derrière lui, mais j'arrive pas à le passer. Troisième secteur, elle est plus rapide que moi. Troisième secteur, si tu connais pas, c'est ouf, tu perds un temps de dingue. Je perds une seconde rien que dans le troisième. On commence à recroiser les premières Kia. Ah, vous avez des Kia, vous ? Ouais. Ah, pas nous. On n'est pas assez bon. Ou trop. Ah, vous êtes dans le split en dessous. Je vais être dans, ouais. je vais être dans le split 1. Je fais la même connerie que lui. Oh, allez, drapeau bleu quoi. Move. C'était micro ouvert ça. Oui. Si t'en fous un dans le mur, il va triporte. Pour avoir crié comme ça. Moi, je t'aurais pété un câble dessus si tu m'avais hurlé comme ça dans les oreilles. Ouais, il a mouvé du coup. Hein. Ah bah, j'aurais fait pareil, hein. Bah, disons qu'on était en bagarre avec celui devant moi et je l'ai complètement perdu. J'ai une seconde 4 de retard. Putain. Il a fait son massa. Il a fait son massa. Et voilà. L'erreur qu'il fallait pas faire, le mec. Ah non, il a relancé trop tôt. On est côte à côte. Là, je sais qu'il freine plus tard à chaque fois. J'ai pas tenté le diable. J'ai pas osé continuer. Ah, les pneus sont morts. Par contre, deux tours qui restaient. Putain. Elles sont toutes en coalition pour me faire perdre du temps, les Kia, ou c'est quoi ce délire là ? Ding ! Pardon, ça c'est le point rage. Putain. C'est le point sel. Ah mais oui. Non, tout le deuxième secteur, elle me bloque. Tu veux dire. Tu mets des salières, tu sais, sur le bord. Ting. Et voilà, une seconde 9. Magnifique, abonnez-vous. Tu fais un petit personnage avec sa vidéo. Ah bah, si vous suivez les courses de l'aventure iRacing, vous pouvez retrouver en intro de la course d'Okayama, Amdi, sous son plus beau faciès. Ah ouais. Alors ça va, les bolos. Ouais, les pneus sont cuits. Vous êtes sûr que c'est pas 1h 25 minutes là parce que ouh. Bah ouais, ça me paraît plus long que tout à l'heure, c'est bizarre. 17 tours, on tourne en 1 minute. Donc ouais, il y a 20-22 tours. Ok, my bad. Ton mauvais. Je sais pas, on est en une 10, une 15. Je commence à le perdre, tu es devant.
Allez. Il reste 4 minutes environ. Ok, merci. 4 minutes, donc 5 tours. Donc ouais, 21, 22. Cinq tours. Five laps remaining. T'es sérieux? Non, non. Sans déconner. Je t'aurais repété la gueule. Aïe, aïe, aïe. Et le mec devant, il freine de plus en plus tard, il se rapproche du bac à chaque fois, donc à mon avis... C'est excellent, pare-brise il commence à être dégueulasse. Commence pas à faire le fou, donc commence pas à faire le fou derrière. Ça rappelle quelqu'un ça. Voilà, passe, c'est content. Hein? Visiblement, Émeric qui ne suce pas que la roue du leader. Pourquoi? Non, c'est parce qu'on parle en même temps. Ouais, ah. Bien sûr. Ça, c'est la version officielle, ça. Tu me connais, tu sais comment j'adore quand on me parle, quand je joue. Ouais, surtout sur iRacing. Voilà. Peut-être faire un top 5. Du coup. C'est beau. Ah bah non, si tu continues à parler. Ah. Tu sais que tu n'es que 30 secondes devant. Hein. La substitue de personne est sortie. Ça sent le brûler, ça m'étonnerait que sur la voiture, c'est peut-être mes jambes. Il a combien de secondes le mec devant toi? Moi? Ouais. 22. Ah quand même. Oui, là, ouais, j'ai juste regardé le classement, j'ai quitté ma trajectoire, j'ai dû freiner pour pas sortir. Ah merde, désolé. Non, c'est à moi, j'aurais dû attendre pour te répondre. 6 secondes derrière. Donc, toujours Olivier, à 9 secondes. Qui nique pas la batterie. Dédicacerai sa Cadillac à l'arrivée. Méfie-toi, t'as pas de points. Mais non. Ah. Pas donner un coup, je signerai sur son capot. C'est de l'ironie, hein. Oh bah oui, hein. Parce que le second degré... C'est important. À force de coller le mec devant, mon pare-brise, il est dégueulasse, je vois plus rien. Bah alors, un off-track, sorti de nulle part. Je suis arrêté complet. Wow. T'as cassé quelque chose? Bah j'ai plus de train avant. C'est vrai que les gommes elles m'ont dit bye bye. J'ai perdu une seconde sur Olivier. Parce que les vibreurs, ça à force de les prendre fort, tu peux casser ta suspension aussi. Hein. Non, ça va, je suis pas trop sur les vibreurs. À part celui du dernier virage. Ah Olivier, 8 secondes hein. Bon, elle va finir cette course. Oh, oui. Ah, j'aimerais bien là. T'as, le châssis est tellement rigide que quand tu prends des virages... Oh. Ah, le châssis aboie. Ah mais tu sens que tout bouge en un bloc quoi, c'est... En même temps, vu le poids de la bête, les dimensions et l'arceau... Oh, oui. Et dehors il sort large. Dernier tour.
Ok, merci Emric. Eh ben ce sera... Ouais, ce sera pas trop à mon avis. Je vais être sage, je vais garder la P4, très bien. Il me restera deux courses à faire et je pourrai pas s'en lancer. Ah, mon spotter est parti pisser, il m'annonce même pas le dernier tour. Ah, moi non plus, il l'a pas lancé. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui a pris la place du spotter? Pas impossible. Dans ce cas-là, on l'entendrait. Non, non, pas forcément. Ah, est-ce que j'ai plus aucune info là? Ah, moi non plus. Depuis début de course. Eh ben, ce sera une quatrième position. C'est parfait, en partant cinquième. Oh putain, la chance que j'ai eue. Amazing, amazing, William, amazing, amazing. Attends, on n'a pas fini, Brick. Bonne course les gars. Dis-moi Maxime, tu es en train de l'enregistrer la vidéo là sur ton site? Oui. Et tu vas au Mans ce week-end ou pas? There's the chicken flag. Oh, tu entre deux. Ouais. Non, je peux pas. Great job, you did really well. Dommage. One eternity later. Ok. Bah écoute, je vais te laisser Maxime, je vais essayer de voir comment faire pour t'ajouter à ma liste d'amis. Bah écoute, ça va, je regarderai si je sais. De toute façon, j'ai toujours ton nom sur le replay et je t'ajouterai. Si j'ai le temps, y'a pas de soucis. Ça va? Tu es parti! Ah bah salut alors, si tu m'entends plus, salut.